foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il
lut un soir, il lut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessus de la voûte et les eaux qui sont en dessous de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu. Que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon ses espèces, et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit. Qu'ils servent de signes pour marquer les rencontres festives, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit.
ainsi que les étoiles, Dieu plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants. Et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent dont les eaux se mirent à grouiller selon leur espèce, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers. » Et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail,
bestioles, animaux sauvages selon ses espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. » Le Seigneur façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa.
Dieu les bénit. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Dieu dit, « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et sur tout arbre fruitier porteur de semences. » Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Il se reposa de tout le travail qu'il avait fait le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. »